Bon, comment dire que ce que je suis sur le point de faire va être très compliqué? Parce que oui, nous sommes citoyens civils, mais avec un petit randomizer des familles, ça va être compliqué, hein, parce que j'ai vraiment randomisé vraiment tout, mais alors vraiment tout. Dès qu'on passe une porte, on peut très bien atterrir soit dans le labo, soit je ne sais pas où. Là, on n'est pas censé être dans le jeu normal. J'ai randomisé aussi donc tous les objets. Donc, par exemple, je sais pas moi, dans la salle à manger, si on trouve, je sais pas moi, le ruban encreur, bah, ça peut être, je sais pas, une arme, enfin, ouais, une arme, des munitions, une herbe ou même un objet clé qui nous servira pour résoudre une énigme dans le jeu. Les ennemis sont également randomisés, donc on peut très bien tomber sur soit un tyran, soit Lisa Trevor, les Crimson Head, les abeilles, enfin, tous les types d'ennemis qu'il y a dans le jeu, quoi, même Neptune. Donc je pense que c'est tout au niveau du randomize. Donc Resident Evil. on va souffrir. Alors, on va jouer Jill. Je ne prévois pas de finir le jeu en full randomize. Je sais même pas si c'est possible. A dining room. Bon, on va voir comment ça commence alors. Magnifique. Ça commence bien. Oula. Alors. Le mec qui a été hanté pendant un moment, très bien. On va prendre, même si. Voilà quoi. Ça y est, ça commence. Bon, je ne sais pas si on se retrouvera dans la salle avec où on aura besoin de la caisse, mais bon. Pousse la boîte, pousse la boîte. Allez, hop, on va l'envoyer de l'autre côté. C'est parti. Bon. Mais du coup, en fait, je suis coincé ici aussi, en fait. Donc, en passant cette porte, ça m'amène dans la salle avec la caisse et tout le bordel. Mais il n'y a pas d'autre porte ou quoi que ce soit, du coup je pense que je suis safe lock. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wesker. Bah oui, je suis en fait safe lock. Parce que là il y a Wesker qui veut que j'aille. Got cold feet already? That's not like you. Tentative numéro 2, c'est parti. Resident Evil. Bon. Alors. Ok. Non. Non. Juste. Non. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, non. Oh god, qu'est-ce qui va sortir du poker? Ah, c'est forcé. C'est quoi? Mais en fait, je suis encore ce flop encore une fois. Voilà.
sec. Oh là là. Oh. Octogone de pierre, merci. Oui, on sait. Bon. Ah, ben là, on sera plus à floc. Mais, ouais. Bon, de toute façon, peu importe porte que je prends. Ah. Barry, on est juste au-dessus. Ah, mais du coup, ça veut dire... Il y a un chien. Ah, du coup, ça veut dire que je pourrais récupérer... Merci. Oh. Je crois qu'il y a le chien qui m'en veut. Je sais pas où il est. Je crois qu'il est de l'autre côté, en fait. Ah non, il est juste là. Bonjour. Aïe. Lâche-moi, Michel. Putain. Merci. Elle m'a jamais dans le mal. Hop là. Putain, là, je suis dans le rouge, quoi. Mais comment il me met si mal, le chien? Eh, Barry, c'est moi. Ouais. Ils sont de fusil, il faudrait peut-être trouver le fusil avant. J'espère qu'on va en trouver un. Bon, du coup. Là. Ah. C'est sympa, oui. Non. Il n'y a pas moyen ici. Oh non, il n'y a pas moyen ici, non. Ici, ça mène où? Oh fuck sake. C'est surprenant. On dirait un tout autre jeu en fait. Oh non, secours quoi. On dirait un tout autre jeu quoi avec ce randomizer. Oh non. Oula. Ah. Magnifique. Qu'est-ce qui va sortir de la baignoire? Est-ce vraiment un zombie? D'accord, bon, ça a pas changé. I go to puke. J'ai peur, hein, franchement. De... Ah. On m'amène chez Neptune. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Bon bah, ça c'est fait. Je viens de me faire niquer. Oh non, non. Mon spray de premier secours quoi, qui est juste devenu... Oh fuck sake. Oh, bon. Au moins, il y en a dans la boîte. Je sais même pas quoi garder et quoi prendre en fait.
Honnêtement, je ne sais pas. Oh, fuck sake. Mais arrêtez, Juste, mais arrêtez, quoi. Oui. Merci les items. Une mission tout le temps. Ça a rien qui fait ce bruit là. Bon. Où nous dirigeons-nous? C'est quoi ça? Oh non, for fuck's sake. Oh non. Juste non. Pas ça. Très bien. Là, ça, je vais pas couvrir la crypte. Non, mais des munitions. Oui, c'est des munitions, c'est des vraies munitions. Très bien. Mais oh putain, quel bordel. Où est-ce que ça va mener cette porte? Oui. Oui mais non, en plus c'était derrière. Oh, secours, quoi, j'ai... Oh non... Merci. Dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pardon. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, quoi. Bon, on va prendre son courage à deux mains. Il y a la salle de sauvegarde, enfin, entre guillemets, la salle de sauvegarde juste en bas. Vite! Ouais. Franchement... C'est un putain de cauchemar. Mais ça aussi, mais... J'ai même pas de quoi récupérer, enfin, entre guillemets, le magnum. Eh, non. Non. Je ne peux pas, non. Je ne peux juste pas, en fait. Oh, quel enfer. Ouais. Okay. Ok, ça je peux prendre. Bonjour. Ah. Oh bah... Well, c'est chill. De toute façon, je ne peux pas. Bon, je vais bien éteindre ma route. Désolé.
aveugle, j'ai pas le disque à moi. Donc, oui. Pardon, oh putain. Ça va, l'araignée, je pense qu'elle est trop buggée pour passer. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Mais. Sure thing, Wesker. D'accord. Et du coup, quoi, je retourne dans la salle à manger? Bon, on dirait. Oh non! Hey Barry, c'est moi. Ce manoir est vraiment étrange, Barry. Oups, le téléphone. Le téléphone. Alors, c'est Norton. Bisous, Lisa. Eh, bah alors. On va peut-être déposer des trucs, vu que je suis quand même fou au niveau de l'inventaire. Dans ce fameux couloir. Donc, là, je suis vraiment un zombie. Pardon Lisa, je m'excuse Lisa. Merci moi Lisa. Pardon Lisa. Pourquoi on va dire si je reviens, est-ce que dans la cinématique, Barry va vraiment tuer Lisa? Barry! Oh oui. What is it? Oh oui. Look out! It's a monster! Oh non, vous me décevez. Let me take care of it! Oh non, je suis déçu. Oh non, je suis déçu là. Oh non, j'aurais voulu voir ça, j'aurais voulu What voir. What the hell oh is this thing? I found Kenneth, killed by this thing. Tu mens, Jill. Let's report this to Wesker. Tu mens, Jill. Pardon. Barry? 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 Barry, pardon. Barry, tu m'expliques? Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Mais non, mais non, mais... Oh non, mais qu'est-ce que... Barry! Barry! T'es où? Barry! Dégage, Lisa! Est-ce que... Non, il faut m'inspecter. Barry, t'es où? Putain, mais Barry, c'est la vraie menace, en fait. Regarde-moi ça, quoi. Barry! L'eau est inspectée, et disons que... voilà, quoi. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. Rien, What's going mais... on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen. If something happens,
Let's meet up in this hall. Got it? Okay. Oui. Ben, elle a disparu. Isa. Je suis curieux. Pardon. Oh, hell no! Pardon. Non, juste non. Ok. Les vraies herbes. Un poignard, pourquoi pas, ça fait plaisir. Une herbe rouge, c'est encore mieux. Ouais, on peut prendre toujours la carte, hein, mais voilà quoi. Pardon. Non, ils étaient deux, au secours. Oh non. Non, les gars, non. Non. Oui. Bonjour. Alors, demi-tour, c'est mieux. Ah. Et du coup, oui. Oui. Décidément. Alors, dans ma maison, elle est assez généreuse au niveau des herbes. Je ne vais pas me plaindre, étant donné les ennemis que j'ai vus. Je crois qu'on n'a pas encore vu Chris Madhead. Enfin, je dis ça, mais ça tombe dans la prochaine série, il va y en avoir un. Donc, ne crions pas Victor trop vite. Oui. Bonjour. Décidément. La place par contre. Donc on va faire ça, faut s'en mettre dans le verre. Je prends, ça fait plaisir. Ah, bah, bonjour Barry. Ah! Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Wait. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. No. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. T'as raison, Barry. Continuons. Par contre, l'hameçon qui devient une munition de fusil. Et là, ah, ça rend l'abeille, très bien. Sinon, je ne pourrais pas faire cette énigme sans l'hameçon. Ça, c'est quoi? D'accord, c'est vraiment le. Okay. Bon. On peut retourner en arrière.
Ouais, ça nous menait dans le hall. Qu'est-ce qu'on peut avoir à l'étage? Ah. Non, ça c'est dans notre ROM. La partition que j'avais reçue au début. Tiens, on a vraiment des rubans en creux, très bien. Et l'emblème, je l'ai foutu. Bien évidemment. Sinon, j'ai pas la partition. Quoique, est-ce que c'est vraiment la vraie partition ici? Pas de question. Non, c'est une arme verte. De toute façon, j'ai pas la partition et l'emblème, je l'ai laissé dans le coffre. Du coup, bah, c'est inutile. Je sais pas s'il y a vraiment moyen de finir Resident Evil comme ça, un randomizer. Parce que. Non. Parce que dans les deux précédentes ROM, je me suis fait softlock. Je pouvais vraiment rien faire. J'ai pas de clé pour remplacer celle-ci. Du coup, je me pose la question. Ah! J'ai peur de ce qu'il y a. Mais c'est vraiment toi en plus, sale enfoiré! Mais je suis mort. Je suis mort. Je suis condamné. Bonjour Lisa. Je suis vraiment condamné ici en fait. Ben voilà, c'est réglé. Oh, les Yon qui va vraiment condamner. Ah. Ben voilà, c'était amusant.